Hola mes ensablés et bienvenue pour ce sixième épisode de Waiting for the MDS. Aujourd'hui, eh bien focus sur la crise sanitaire et les conséquences que ça entraîne sur le plan sportif. Épreuves reportées ou annulées, périmètre d'entraînement et horaires restreints, émulation de groupe largement détériorée. Alors comment faites-vous pour vivre votre passion dans ces conditions ? Geoffrey Plisson, inscrit à son premier Marathon des Sables en avril 2020, a subi les trois reports. Sa situation nous plonge au cœur du problème. Alors, effectivement, il y a eu trois reports. D'un point de vue entraînement, c'est difficile. Là, au mois de janvier, février, je voulais monter, je voulais me faire 2 mois, au moins 400 km. Janvier, effectivement, je finis à 400 km. Et puis, fin janvier, je crois, justement, la décision tombe du report. Du coup, effectivement, quoi, l'entraînement, c'est très dur. On ne sait plus pourquoi on s'entraîne, pour quand, comment. Donc tout ça tombe à l'eau. Et puis autre chose, du coup, avec ces reports, je me retrouvais inscrit donc avec des copains. Et puis en fait, là, je me retrouve à le faire seul parce que effectivement, les emplois du temps, les plannings, les situations de chacun ont fait que certains pouvaient plus être disponibles aux dates initiales. Et voilà. Donc du coup, c'est aussi moins drôle et moins facile de s'entraîner seul et puis de vivre toute cette phase de préparation du coup seul plutôt qu'entre copains. Merci Geoffrey pour ce partage. C'est vrai que c'est compliqué et que ça en désoriente plus d'un. Eux aussi ont pu être d'ailleurs désorientés pendant une petite période, mais ils ont vite dû se reprendre pour guider le navire en dehors de la zone de récif. Ce sont les organisateurs de nos chères épreuves. Vision de la situation avec Patrick Bauer. Allez, Waiting for the MDS numéro 6. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je profite toujours d'un petit rayon de soleil pour vous envoyer ces petites vidéos. C'est quand même plutôt sympa. On est limité à 10 km, mais bon, voilà, avec ça, on y arrive quand même. Donc, voilà, un petit waiting un peu spécial sur la crise. La crise qui nous touche tous, évidemment, dans nos vies quotidiennes, mais je pense évidemment aux organisateurs d'événements, à l'instar du Marathon des Sables. Hein. Mon ami Alex Deban avec le Raid Amazon, Corinne Perron avec le Trek Elle Marche, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le Trail de France qui vient d'être reporté en 2022. On était partenaires, c'est bien dommage, c'était une opération qui pouvait être vraiment super sympa, où on amenait nos athlètes marocains, les deux frères Morabiti. Donc tout ça, malheureusement, s'est repoussé. Hein, le plus proche qui va rester, c'est l'UTMB. L'UTMB fin août. Alors j'espère que pour les organisateurs, que ça va bien se passer. En tout cas, si ça se passe bien, on y sera. Donc sachez que vous pourrez nous retrouver durant toute la semaine là-bas à Cham. Donc j'espère vous voir nombreux sur notre stand qui sera au milieu du village des marques. Donc je pense que je suis solidaire avec tout le monde, bien entendu, c'est tellement compliqué, cette gestion de crise. À la fois, il y a le plan sanitaire qui nous touche tous, et puis le plan économique. Alors sur le plan sanitaire, évidemment, c'est un peu compliqué. En France, on a pris du retard, le Maroc s'envole, les États-Unis ont vacciné 200 millions de personnes. Je pense que ça va être ça, l'attente, et puis peut-être l'obligation qui va en découler, d'être vacciné pour pouvoir quitter le pays, pour pouvoir participer à des événements à l'étranger. Donc ça nous pend au nez, c'est fort possible. Hein. S'il faut le faire, on le fera. On va pas rester enfermé ou ne pas pouvoir aller au restaurant ou aller voir un spectacle si on n'est pas vacciné. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. On verra un petit peu plus clair à la mi-mai, je pense, fin mai, sans doute. En tout cas, je pense à tous mes amis organisateurs. C'est très très compliqué, quoi, évidemment, pour chacun d'entre vous. Sur le plan économique, alors j'en parle même pas. Hein, je vais pas rentrer dans les détails vu la complexité financière de la situation pour tous ces organisateurs. Je remarque un truc quand même, c'est que vous êtes super fidèles et ça c'est un cadeau inespéré, je vous l'ai déjà dit, je le redis, parce que la gestion à la fois des reports, c'est compliqué d'une année sur l'autre, 2021, 2022, 2023 pour certains, donc je pense que tout le monde est dans la même situation.
Et puis sur le plan économique, ben voilà, on utilise tous les atouts mis à notre disposition pour essayer de passer cette crise sans augmenter les dégâts. Parce que je pense que, comme beaucoup d'autres, on a perdu nos réserves. Hein. Mais bon, on en a d'autres sous le pied. Voilà, c'est ça, c'est l'énergie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut rester positif quoi qu'il arrive. On a tous des beaux bébés à organiser, à proposer et du rêve aussi à partager. Donc ça, c'est fondamental. Donc on reste confiant malgré que l'entraînement en subit aussi les conséquences, hein, c'est une évidence. Hein. Quand on se prépare pour un événement qui n'a pas lieu, on se dit ça va être compliqué de recommencer et puis on perd un petit peu la motivation. Alors voilà, c'est ce qu'il faut faire pendant les périodes compliquées, c'est profiter de faire des choses qu'on ne faisait pas à un autre moment ou les concentrer sur des périodes. Moi je vous avoue qu'au mois d'octobre je suis hyper confiant. Franchement, le Royaume du Maroc, je pense qu'il sera prêt à nous accueillir. Donc, entre autres événements, hein, je parlais aussi pas que des événements qui ont lieu au Maroc, comme la Titane, comme le Rallye du Maroc et d'autres, mais au niveau mondial, international. Je crois qu'on a tous envie de pouvoir bouger, de revivre normalement. Donc voilà, c'est très compliqué. Il faut pas perdre, évidemment, la motivation. Voilà, en tout cas, je vous donne rendez-vous au prochain Wetting. Et en attendant, je vous embrasse très fort. À bientôt. Salut tout le monde. Et oui, pas facile de maintenir le cap, mais c'est quand on est en pleine tempête que l'on reconnaît les vrais capitaines. Autre époque, mais grave crise aussi. Retour en 2009, le parcours du Marathon des Sables se retrouve cette fois-ci sous l'eau, carrément noyé par d'importantes pluies. Que faire? Annuler? Proposer un plan B? Dans l'urgence, l'équipe d'organisation s'est démenée pour proposer une aventure qui va rester gravée pour toujours dans l'esprit des participants. On annule, et c'est vrai qu'il y avait vraiment de quoi annuler parce que entre les passages d'Oued, les bivouacs inondés, les prévisions sur les journées suivantes, tout était catastrophique. Ça vous fait pas dans les buts. J'attendais moi le passage. Hein. On a attendu. J'ai fait mon téléphone, j'ai dit mon Dieu, mais il ne donne pas assez de nouvelles. Le moral était un peu dans les chaussettes de tout le monde et on savait pas trop comment on allait renverser la vapeur. Il y a beaucoup de difficultés, hein. C'est toute la logistique qui pose difficulté avec les terrains trempés, la boue, les deux gros ouèdes qui coulent en travers, ça nous bloque tous les passages. Hein. Donc maintenant c'est l'urgence, c'est de voir la suite du parcours avec le passage d'Uziz. La semaine dernière on est passé partout, hein. Il n'y a pas un gramme de flotte dans les ouèdes. Donc en deux jours, ça a tout changé, tout bouleversé, toutes les pistes que vous connaissez, il y a beaucoup qui sont impraticables. Oui, Roger, la Land Rover 97 de Bruno, elle est sous l'eau, là. Réfléchis quand même aussi, si vous ne trouvez pas sur Besma, voir si en passant par Mektasfal et Djebel Irs, s'il y a une possibilité ou... Je voulais leur dire comme qu'il y avait une autre alternative qu'on n'avait jamais annulée en 24 ans. La situation est vraiment très très exceptionnelle. Ça fait deux jours qu'on prospecte pour savoir quelles sont les décisions qu'on pouvait prendre ou ne pas prendre. Et puis je crois qu'il y a des décisions qu'on va décider aussi un petit peu tous ensemble. J'ai eu la chance d'être porté par l'énergie des coureurs qui m'ont fait confiance quand je leur ai proposé les deux solutions d'annuler ou de poursuivre l'aventure en essayant ensemble de relever ce défi. Ben là, on part un peu dans l'inconnu, mais c'est tout, c'est une autre aventure. Ça va être génial, c'est nouveau. Je crois que je m'attendais à ce qu'ils disent oui, mais j'avais besoin qu'ils me donnent ce jus pour nous porter tous. Je crois que se dire on n'est pas là à imposer quelque chose, on est une seule et même caravane qui doit aller au bout. Ça, il y a deux solutions. Soit on annule l'opération, ou alors on part sur l'étape prévue, et puis en fonction de la météo, on improvise au jour le jour. On est obligé de tout
modifiée. L'essentiel, c'est que l'opération ne soit pas annulée et que le rêve de tous ceux qui se préparent depuis des mois et des mois pour participer à cette 24e édition puisse aboutir. Et puis tout le staff, toute l'énergie, tout ce qu'on a mobilisé, les sponsors qui nous font confiance, le Maroc qui nous accueille. Enfin voilà, tout ça nous mobilise, nous motive à aller jusqu'au bout et à trouver les solutions les plus appropriées. Faut retourner les choses en positif quand les choses paraissent négatives dès le départ, et on arrive toujours à améliorer les choses dans la relation avec les autres, etc. Et l'essentiel, qu'on est arrivé, on a fait une belle étape, une belle course, les bus ont pu nous récupérer, puis voilà, et là tous ensemble on a senti la cohésion, il y a une belle aura autour de tout ça, les gens ont apprécié, je crois, notre travail, donc ça me fait chaud au cœur. À conditions exceptionnelles, aventure exceptionnelle, retour à la crise actuelle. Et à vous, les participants, à la prochaine édition. On se tourne désormais vers Elisa Bernard, novice sur le MDS, qui a son truc bien à elle pour rester motivée et courir comme une folle. Bonjour, je suis Elisa, j'ai 27 ans, ça fait 11 ans que je cours maintenant, aussi bien sur des petites que des longues distances. Et le marathon des sables, c'est quelque chose que je connais pas du tout, c'est la première fois que je vais y aller. Et je pense que ça va être super intéressant, c'est vraiment du dépaysement, des rencontres, c'est sortir de sa zone de confort. Je pense que ça va être une très très belle expérience. Durant le Covid, j'ai gardé la motivation parce que je suis une vraie droguée de la course à pied. Coupée. Mais c'est en partie grâce à ma chaîne YouTube. Je fais des vidéos de course à pied. C'est ça qui fait que je garde la motivation. Je me fixe des objectifs. J'ai pas mal de choses, de projets en tête. J'ai aussi une nouvelle chaîne qui s'appelle Le Running Show, avec trois autres youtubeurs, et c'est une émission 100% running, et c'est vraiment ça qui fait que je garde cette motivation de course à pied, avec voilà, des objectifs, des challenges à faire personnels, et c'est ça qui est cool. Les difficultés que je vais rencontrer pendant le marathon des sables, bah, tout simplement ça va être trois choses. Le sable, le poids dans le dos, et puis bah, la chaleur. Voilà, c'est la définition du marathon des sables. Mes points forts, je pense que ça va être mon mental, ma détermination à franchir la ligne d'arrivée, enfin les lignes d'arrivée. Et puis bah, ma préparation. Depuis le début de l'année, je suis au taquet pour faire le marathon des sables. Et pour encourager les coureurs, eh bien, fixez-vous des objectifs, que ce soit en termes de dénivelé, de vitesse, de kilomètres. On a de la chance de pouvoir courir, c'est pas la chance de tout le monde. Donc il faut vraiment en profiter au max et profiter de, voilà, de pouvoir sortir un peu, voir du paysage, etc. et de pouvoir continuer à courir. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire, ouvrir votre chaîne YouTube sans aller jusque-là, comme va nous le rappeler Carole Pipolo, inscrite pour son deuxième marathon des sables en octobre. Eh bien, les moyens informatiques actuels nous permettent quand même de conserver et même de créer du lien, et c'est déjà pas mal. Alors, bonjour à tous, la planète Marathon des Sables. Alors, c'est vrai que c'est un peu compliqué ces temps avec le Covid.
depuis maintenant plus d'un an. Bon nombre d'événements sont donc annulés les uns après les autres. Alors c'est vrai que pour certains, les ultras ou les courses, ben c'est le moment où en fait on rencontre les gens, on se voit, on discute, on est en famille. C'est aussi pour ça qu'on fait le marathon des sables, pour être 10 jours, en vacances, mais des vacances actives. Et puis on rencontre d'autres gens, d'autres personnes, d'autres caractères. Ça nous enrichit et c'est vrai que là, depuis un an et demi, c'est un peu difficile. Alors c'est vrai, évidemment, on se revoit pas sur les événements. Donc ça, c'est un peu rude. Mais bon, voilà, on essaye quand même toujours de partager. Les réseaux sociaux font qu'on reste en lien. La communauté Facebook est quand même très présente pour le Marathon des Sables. Donc il y a toujours des échanges. On se passe des photos, on discute, il y a des questions. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et puis surtout, on peut aussi maintenant, au point de vue informatique, et ben faire des vidéos, des zooms, des WhatsApp, et j'en passe, ou des vidéos comme ceci pour pouvoir vous parler. Et donc ça c'est chouette. Bon alors c'est un peu frustrant, j'aime bien avoir le contact physique avec les gens, mais voilà, c'est on doit s'adapter. Et puis on espère surtout que en octobre, en tous les cas, on sera sur le Marathon des Sables pour être tous ensemble. Et qui sait, peut-être sur d'autres événements avant. Inch'Allah, on croise les doigts. D'ailleurs, pour continuer sur ces moyens de communication moderne, jetons un coup d'œil du côté du challenge MDS Atom. Il reste une petite semaine pour boucler les 250 km à pied, l'étape longue de 77 km et les défis Tea Time et Bivouac Time. Alors, où en êtes-vous? La réponse en images. Salut Baroudeur, c'est Thomas du Marathon des Sables. Donc faisons un point sur le challenge MDS at Home. Vous êtes déjà 618 personnes à avoir adhéré au groupe Facebook MDS at Home, 821 personnes à être inscrites sur le club Strava MDS 2021. Donc vraiment merci à vous pour votre implication et votre participation. Nous sommes déjà une quarantaine de personnes à peu près à avoir réalisé les 77 km, le défi long stage, donc bravo à ces personnes-là. Courage à ceux qui vont se lancer prochainement sur la 77, hein, on y croit. Sur le défi de 150 km, vous êtes déjà une trentaine environ, voire un peu plus, voilà, qui avaient réalisé 250 km sur le mois d'avril, donc bravo à ces personnes-là. Il y a une dizaine de personnes voilà, qui se sont lancées et qui ont réalisé le défi Bivouac Time et Tea Time. Donc voilà, il y a encore la possibilité de le faire, celui-ci, hein, c'est assez facile et accessible aussi à tout le monde. Donc c'est le moment aussi de tenter de tester votre matériel, hein, vraiment, voilà, vous dormez dans votre salon ou dehors comme vous souhaitez, mais voilà, testez votre matos. Voilà, il y a des lots à gagner, hein, donc n'hésitez pas, c'est des défis assez simples à réaliser, vous pourrez être prétendant au lot à gagner. Voilà, il y a des bagages shoot à gagner, une tenue body cross. Et une belle surprise qu'on réserve à l'un des finishers des 5 défis. Après, côté organisation, sachez voilà, qu'il y a des personnes qui se donnent à fond, hein, qui ont mis le bleu de chauffe. Patrick approche les 200 km hein, vraiment sur le Strava. Il a un peu mal au pied, mais voilà, on sait qu'il ira au bout, c'est un guerrier. Après, personnellement, moi j'en suis à 190 km à peu près, 188 exactement. J'ai déjà réalisé la 77 km samedi dernier avec des amis, donc c'était une super sortie. Voilà, donc donnez-vous à fond. Pensez important à mettre votre profil et vos activités en mode public. Hein, c'est dans vos paramètres de confidentialité. Ça vous permettra de participer au challenge. Si vous n'avez pas fait ça, malheureusement, on ne pourra pas voir si vous avez terminé les 77 km, combien de kilomètres vous avez fait sur le mois d'avril. Bon courage à tous. Serrez les dents si c'est un peu dur. Et voilà, il faut y croire, hein, parce que dans le Sahara, on n'abandonne pas. Ciao, ciao tout le monde. Génial, merci hein, pour votre participation à ce challenge, c'est vraiment top hein, de voir l'engouement qu'il suscite et surtout la bonne énergie qui en découle. Chez eux aussi, il y a pas mal de bonne énergie. Eux, ce sont Maud et Fred, les organisateurs du Trail de France, tout nouveau partenaire du Marathon des Sables. Ils vous expliquent en quoi consiste leur épreuve prévue initialement en 2021 et bien sûr les difficultés engendrées par la crise sanitaire. Hello à tous. Salut. On est Maud et Fred, on est les créateurs de l'agence de voyage Trail the World et de l'événement principal qu'on devait organiser en 2021, le Trail de France. Maud, c'est quoi le Trail de France? Le Trail de France, c'est une course sur 6 étapes
Donc pendant 6 jours, vous allez courir 380 km dans différentes régions, dans différents massifs de France. Et vous allez pouvoir le courir en individuel, en équipe, en relais ou bien à la journée si vous n'avez pas la possibilité de faire l'ensemble des étapes. Cet événement, il aura lieu l'année prochaine et on est très content aujourd'hui de pouvoir vous annoncer qu'on est partenaire du Marathon des Sables. Et oui, c'est-à-dire que toutes les personnes qui vont être finishers en solo, donc c'est-à-dire qu'ils vont faire l'intégralité des étapes, ils vont avoir une chance d'être tirés au sort pour une invitation offerte sur le Marathon des Sables 2023. La France aurait dû avoir lieu en 2021. Malheureusement, on le reporte en 2022. On l'a pensé il y a un an, donc c'est-à-dire pendant le premier confinement. On s'est dit, on y va en pensant à certaines règles sanitaires qu'on allait devoir respecter pendant l'événement. C'est ce qu'on a fait. Quand on a commencé à contacter les communes, quand on a vu avec les partenaires, etc., dont le Marathon des Sables, hein, les partenaires, on a vraiment pensé ça. Sauf que la situation aujourd'hui, c'est pas comme on l'avait pensé il y a un an. Oui, en fait, on ne maîtrise pas les décisions gouvernementales et c'est difficile pour nous de prévoir sur le long terme les autorisations ou non de déplacement dans les massifs, dans les régions, interrégions. Et donc c'est pour ça en fait que malheureusement le Trail de France a été reporté d'une année. Ça ne veut pas dire qu'il n'en sera pas aussi important et impactant. Exactement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a annulé aussi un peu plus en avance que prévu. Parce que si on continue, si on essaye d'aller jusqu'au bout, nous on ne va pas être maître de nos décisions. Et ça, dans l'organisation d'une course comme la nôtre avec une logistique telle, qui est beaucoup plus lourde que des trails classiques, entre guillemets, on ne peut pas se permettre d'aller jusqu'au bout et que ce soit annulé 6 jours avant par une préfecture ou 2 semaines avant. On ne peut pas se permettre. Donc c'est pour ça qu'on a annulé bien en avance cet événement. Mais il sera que meilleur et que plus beau en 2022. Franchement, cette situation, je pense qu'elle impacte beaucoup tout le monde, que ce soit les organisateurs ou les coureurs. Comme il n'y a plus d'événements, bah, les coureurs ont généralement moins de motivation à aller courir, à mettre les baskets et à aller s'entraîner. Moi, je suis l'exemple type. J'ai du mal à motiver sans objectif. Alors, on a beau se fixer des petits objectifs intermédiaires, courir tant de kilomètres dans 2-3 mois. Mais le fait d'avoir un événement auquel on va participer, on sait aussi qu'on va retrouver des personnes qui ont la même passion. Et du coup, ça motive plus que si, en fait, on se motive avec 2-3 personnes à se dire bah, « on fait peut-être un 100 km ». Ce n'est pas pareil que vraiment de vivre l'événement, parce que ça manque de retrouver les gens, même au ravito, les bénévoles, ben vraiment toute cette ambiance-là, ça manque à tout le monde et moi je fais partie des personnes qui se manquent. Autre course, enfin pas exactement, hein, puisqu'il s'agit plutôt d'une rando, Corinne Perron nous parle du Trek El Marche qui se déroule au Maroc et qui lui aussi subit les conséquences de la crise. Pour la petite histoire, Patrick Bauer aurait dû se trouver aux côtés de Corinne pour donner le top départ de l'édition 2020, ce n'est que partie remise. Bonjour tout le monde, je suis Corinne Perron, la fondatrice du Trek El Marche. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'événement, le Trek El Marche c'est une randonnée, c'est pas un marathon. Ça se déroule en équipe de 4 femmes et elles devront parcourir chaque jour pendant 4 jours entre 25 et 30 km en se dirigeant uniquement avec une carte et une boussole et retrouver le bivouac le soir. Donc la 5e journée, elle est consacrée à la journée solidaire où elles vont devoir planter des palmiers, enfin œuvrer pour un village qu'on aura traversé. Donc pour vous donner des idées, on a planté déjà des centaines de palmiers, on commence déjà à récolter des dattes, on a fabriqué des fours à pain, on a rénové des écoles, aussi construit une école pour des nomades, et puis on a plein d'autres projets à venir. Donc le Trek El Marche, c'est aussi un tremplin et une mise en jambe pour les participantes qui souhaiteraient s'aventurer sur le Marathon des Sables. Et je sais que j'ai déjà quelques-unes de mes participantes qui, après avoir vécu l'aventure du Trek El Marche, se sont inscrites sur le MDS et j'en suis très fière. Je souhaitais également apporter mon soutien à tous les organisateurs d'événements. Depuis un an, tous nos événements ont été annulés ou reportés et je sais à quel point c'est difficile dans cette situation de rester positif et de garder l'espoir. Donc je comprends aussi la grande déception et la frustration de tous les participants qui sont inscrits depuis un an, 2 ans, voire 3 ans
comment garder sa motivation et l'espoir pendant une période si longue et si incertaine? Eh bien justement, c'est dans des situations difficiles comme celles que nous vivons que nous devons aller chercher au fond de nous l'espoir, que nous devons apprendre la patience et que nous devons garder confiance. Confiance en nous et confiance en la vie. Et l'exercice, il est là, le plus difficile. Cette crise nous met tous à rude épreuve et nous sommes des guerriers, aussi bien les organisateurs que les participants. D'ailleurs, vous nous l'avez prouvé en nous envoyant vos messages de sympathie et de soutien. Et ça, ça nous fait toujours chaud au cœur de savoir que vous êtes derrière nous dans cette épreuve difficile. Nous devons donc rester solidaires et bienveillants et ne jamais douter que nous tous, organisateurs, nous faisons le maximum pour vous emmener au bout de l'aventure. Nous ferons tout. Hein. C'est notre seul objectif et nous l'atteindrons. Je suis sûre que cette aventure que vous allez vivre prochainement sera encore plus forte et plus intense. Elle aura le goût de la liberté retrouvée qui nous a tellement manqué et vous l'apprécierez encore plus. Nos retrouvailles dans le désert ne seront aussi que plus grandes et plus festives et aussi plus émouvantes car on l'a attendu depuis tellement longtemps. En attendant, il vous reste encore quelques mois pour vous entraîner et vous mettre en condition. Alors ne lâchez rien, on compte sur vous. Je vous souhaite à tous une bonne santé, prenez soin de vous et surtout continuez à faire des projets, à vous fixer des objectifs et à croire en vos rêves. À bientôt dans le désert. De bien belles paroles, merci Corinne. Et on retrouve parfaitement d'ailleurs les valeurs partagées par nos belles épreuves désertiques. Lui, le désert, il y vit, il nous y attend d'ailleurs pour la prochaine édition du MDS. Il sera bien entendu au départ et je parie que, comme en 2018 et en 2019, il ne sera pas là pour faire de la figuration. En tous les cas, c'est mon petit doigt qui le dit. Je vous laisse prendre le thé avec un certain Mohamed El Morabiti. Sur ce, eh bien moi je vous dis ciao mes petits ensablés. Le marathon des sables, c'est la plus grande course. Pour moi, vraiment, il faut travailler bien, il faut entraîner bien 6 mois avant la course. Il faut faire des sorties longues, il faut faire des musculations. Vraiment, ça fait 3 fois qu'il y a Lili. Vraiment, on a triste parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des amis comme ça, qu'on n'a pas rigolé un peu. Vraiment, c'est un peu dur. Vraiment, en ce moment, on n'entraîne pas comme d'habitude parce qu'il y a le confinement, il y a le ramadan qui est arrivé. Juste, on va commencer juste tranquillement parce que j'ai une course de mois 8, le Team B, et je veux commencer petit à petit, Inch'Allah, pour arriver pour l'objectif. Vraiment, cet été, c'est très dur pour l'entraînement à Zagora parce qu'il y a des jours qui arrivent de 50 degrés. Mais ça sera un défunt de votre place pour faire un stage pour le Tchendi et même pour le mari de ça. On se voit tous au Marathon des Sables le mois d'octobre. Ça.